Ce projet est né du constat qu'il y a beaucoup d'enfants avec une déficience intellectuelle qui ne savent pas bien lire, et aussi du constat que les enseignants qui mettent de l'énergie à leur enseigner la lecture n'ont pas toujours les bonnes ressources pour le faire. Les enseignants doivent en effet souvent créer eux-mêmes beaucoup de matériel parce que les méthodes qui existent dans le commerce ne sont pas vraiment adaptées pour les élèves avec une déficience intellectuelle. Alors notre équipe de recherche s'est lancée dans le projet de développer une méthode d'enseignement de la lecture pour ces élèves sur la base de ce qui fonctionne le mieux avec eux selon les données scientifiques. Une fois créée, on a aussi testé l'efficacité de cette méthode dans le cadre d'une étude rigoureuse à laquelle ont participé de nombreux enfants et enseignants. Dans la méthode Decody, on a intégré des activités qui portent sur des composantes qui sont reconnues comme très importantes pour apprendre à lire. Les enfants apprennent à écouter les sons dans les mots, ils apprennent le son que font les lettres. On va maintenant écouter si les mots commencent par le son V ou pas. Vous vous rappelez, si ça commence par V, on est dans la boîte. La boîte, on n'entend pas. Oh. Ok. Alexia, est-ce qu'on entend V au début de usine? Oui. Très bien, on n'entend pas V au début de usine. Vera, voiture. Oui, on entend, on met dans la boîte. Oui, c'est juste. Très bien. Alexia, veste. Veste. On entend V? Oui. V, A, Ch. Vache. Bravo Vera, c'est bien le mot. Vache. Oui. Quel son fait cette lettre? Bravo, cette lettre fait le son. Ah. Bravo Marie. Ah. Ils apprennent à décoder deux lettres ensemble, puis trois lettres ensemble, et dès que possible des mots, des phrases, des textes. Filet. Alors on dit les sons. Filet. Quels sont? Et. Filet. On le dit lentement. Filet. Et on le dit vite. Filet. Ils apprennent aussi à écrire et à comprendre ce qu'ils lisent. Au début de rue, oui, j'entends alors je le mets au début de la flèche. Ensuite, dans rue, j'entends U. Alors je le mets après. J'ai écrit rue. Écrit jus. Jus. Oui, on entend bien jus au début de jus. Alors on le met au début de la flèche. C'était juste au début. U. Bien. Jus. C'est juste, c'est là que tu as écrit jus. Jus. C'est le début du mot jumeau, jumeau par exemple. Jumeau. Alexia, que vont-ils visiter? Oui, c'est juste. Un village de vikings. Viking. Et quoi d'autre encore? Un volcan. Exactement. Dans la méthode Decody, on explique aussi très clairement aux enseignants les aides à fournir et les stratégies à utiliser pour aider les élèves à progresser et à surmonter leurs difficultés. C'est une méthode dans laquelle il y a une augmentation très progressive de la difficulté, ce qui permet aux élèves avec déficience intellectuelle de progresser petit pas par petit pas et surtout de vivre régulièrement des réussites, ce qui leur procure beaucoup de fierté et ce qui les motive aussi à poursuivre dans cet apprentissage complexe qu'est la lecture.